Bonjour à toutes et à tous, c'est Flamex pour un guide sur Cubeworld. On a voici mon premier épisode du guide. Ah, désolé, petit problème, voilà. Je baisse un petit peu le son. Là, j'en ai 80. Je pense que ça va suffire. Même si c'est quand même énorme. Mais j'ai un petit peu mieux réglé mon micro pour que vous m'entendez mieux. Alors. Bon, ça c'est le perso de Sfender, ça c'est le mien. On va commencer par... Non, je vais m'en créer un nouveau. Alors il va... Ce sera... Non, c'est... Mais moi j'ai déjà fait des mages, donc... Donc j'hésite entre Rogue et Ranger. Bon bah les Ranger, ce sera plutôt un... Non, pas un or, un lézard. Je sais pas pourquoi j'aime bien les lézards. Ou un mort-vivant. Petit mort-vivant. Je sais pas du tout. J'ai tout entre deux choses. Bon allez, on va prendre un lézard. On a déjà face 1, face 2. On va regarder la bouche fermée et la coupe. Ouais. On va mettre la coupe rouge. Les yeux. On peut pas choisir les yeux. Non. Bah, c'est bien comme ça. J'ai déjà appelé une perso Flamex. On va l'appeler Guide. Ah putain, j'ai confondu guide avec guide. Non, on va pas l'appeler guide. Bah si, allez, guide. Alors, j'ai déjà créé des maps. J'en crée un nouveau. Le seed, ça sera... C'est quoi sur mon... Et là, c'est quoi sur mon... Ok, le seed, ça sera un nombre, on va mettre le nombre... On va improviser. Voilà. On improvise. Et là, on va appeler... épisode, là je crée un perso et tout. Je vais vous montrer pour un guide comme ce personnage est pour beaucoup de personnes, mais je sais pas si un youtubeur qui regarde cette vidéo comme Dus, j'ai vu qu'il venait juste de tester, donc ça m'a dit, je me suis dit de faire un guide pour toutes les personnes et pour des youtubeurs. Alors déjà je vais attaquer. Alors je vous dis, moi j'ai déjà commencé à jouer, donc je suis un petit peu plus fort que les personnes qui ont juste commencé. Donc je sais déjà des choses. C'est trop placé en l'air. Voilà, donc déjà, pour, je veux dire quelques défauts du jeu. C'est l'XP. L'XP est très mal géré. Faut vraiment jouer longtemps pour monter de niveau, même le niveau 2, il met vraiment longtemps. Mais si vous faites que tuer des monstres et pas récupérer, pas parler, ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais voilà. Donc si vous voulez jouer normalement, vous montez d'XP, vous montez pas énormément d'XP.
pour commencer. Vous allez déjà casser les petits arbustes et vous récupérez en cliquant sur eux. Voilà, donc vous récupérez. Après, comme... Oula, un boss. C'est un boss, ça. Essayez de me le faire au niveau 1, ça va être très con, ça. Ok, ce serait pas cool de mourir maintenant. Oh, youpi, il y a un ami qui est tué. Voilà, donc si vous voulez. Oh putain! Si vous voulez les tuer plus rapidement, vous allez vers les personnes. Et là, vous pourrez déjà les tuer plus rapidement. Ok, bon, salut les gens. J'ai pas trop envie de cramer. Oui, il est là. Ok, ah oui. Donc, si vous voulez fuir, vous cliquez sur Shift. Je vous explique pourquoi. Merde, j'ai de l'écran. Vous cliquez sur Shift, dès qu'il y a un mur, vous pourrez l'escalader. Ça, vous allez aller au fond. Tout en haut, ça n'a pas trop envie de crever maintenant. Pas pourquoi, c'est comme une petite impression. Ah, il est là. Ah, putain, tu me tues pas toi. Pas intérêt. Ouais. Au début du jeu, vous pouvez mourir, ça change presque rien. Alors voilà, donc déjà, donc pour revenir, vous cliquez sur R, puis vous apparaissez ici. Ah, donc, et vu que j'ai pas beaucoup exploré, la map se charge en même temps. Alors moi, si j'étais vous, je changerais d'arme, je prendrais celle-là. Et je changerais en même temps de classe en cliquant sur X. Vous pouvez être sniper ou scout. Pour l'instant, je sais pas qu'est-ce que c'est le plus fort. J'ai jamais joué plutôt en ranger. Mais moi, la seule fois où j'ai joué en ranger, et après je suis pris une perso, c'était que j'étais scout. Donc là, j'ai une arbalète. Voilà. Alors lui, normalement, je peux me le faire. Il a un nom orange, donc on peut voir qu'il est fort. Les noms orange sont plus forts que les autres. Regardez, vous voyez déjà que là, j'arrive à lui faire perdre quelques points de vie. Oh là, je me l'ai. Donc, pour les rangers, essayez de changer de classe. Et de prendre l'autre arc. Cet arc là il fait 8 de dégâts, mais il a moins de points critiques. En fait non, je crois que c'est le même, mais lui il permet de se régénérer plus vite, et quand on est scout on est moins fort mais on se régénère plus vite, enfin je crois, parce que donc, quand j'étais scout c'était comme ça. Ok. Voilà, donc okay. Donc après je ferai des guides pour toutes les personnes, mais je commence par en dire. Alors voilà, ces fleurs là il faut absolument les récupérer. Il faut vraiment tout récupérer, tout ce que vous voyez vous récupérez, même si ça sert à rien, même si vous savez pas qu'est-ce que c'est, vous récupérez. Et tout ce qui a des vies autour de survie, vous cassez et vous récupérez ce qu'il lâche. Enfin, vous essayez, pas les mobs, hein, c'est des choses que. C'est comme ça. Je vous explique. Et je vise pas en vous. Voyez, la moitié des vies en un coup. Hop, voilà. Hop, voilà, je récupère. Je rappelle, hein, c'est en cliquant sur E qu'on récupère. Je pense que je vais faire un petit épisode de. 20-25 minutes, donc là j'ai juste vérifié un truc. C'est depuis combien de temps que je filme? 9 minutes. J'ai largement mis le temps.
Ok, donc hop. Au pire, elle m'arrêtera à 15 minutes, mais. De plus en plus chargé, de plus en plus c'est fort. Regardez. Ça fait perdre. Si vous chargez hyper longtemps, ça one shot. Ouais. Là, je crois que c'est un point max. Ok, bah, je vous montre un petit peu. Voilà, donc pour commencer, quand vous êtes rendu là, pour commencer, vous chargez. Et là, vous tirez quand vous êtes scout, hein. Puis après, vous faites que tirer avec l'attaque 2. Pa, 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 pa. Vous tirez en rafale avec l'attaque 2. L'attaque où vous pouvez charger. Sinon, l'autre, elle est puissante, mais c'est pas vraiment une attaque spéciale. Voilà. Bah, je vais essayer de me régénérer. Bon, alors quand je vais vous montrer un truc, je vais sûrement mourir, mais non quand même. C'est. De toute façon, je vais me régénérer. Là, quand quelqu'un vous attaque, vous cliquez vite sur A et vous courez. Vous pouvez pas courir avec n'importe quelle nourriture. Vous pouvez courir qu'avec les potions. Les potions, je vous montrerai le craft après. Voilà. Donc, hop, j'essaie de les éviter. Donc pour l'instant vous n'avez pas la barre d'MP qui sont juste ici qui se charge. Je suis arrivé au village tout seul. Voilà. Et pourquoi elle se charge pas? Parce que vous êtes encore level 1. Donc c'est pour ça qu'elle se charge pas. Arrivé au level 2, elle se chargera et ce sera plus simple. Alors là, vous voyez le petit ananas là. Vous récupérez. Vous récupérez tout. Jusqu'à vous ne pouvez plus récupérer. Si vous devez partir rapidement, vous récupérez, si vous voulez vite faire quelque chose, vous récupérez environ, c'est pas une bonne dizaine, puis vous repartez. Voilà. Alors, voilà, donc vous récupérez. Parce qu'après, ça peut vous servir à faire de la nourriture et en plus, aller vendre, ça vaut pas très cher, mais si vous en vendez plein, vous aurez quand même assez d'argent pour vous acheter une ou un arc. Voilà. Donc en cliquant sur I, vous avez votre inventaire. Ou B. Alors, déjà voilà. Alors, vous voyez, j'en ai 34. Un stack ici, c'est 50. Donc, je continue, je récupère quelques-uns, puis après j'arrête. Ah oui, si vous voulez voir les commandes, vous cliquez sur F1. Vous pouvez jouer avec et tout. Si franchement si vous êtes vraiment nouveau et que vous savez pas si vous cherchez une commande, bah vous faites tout comme ça en cliquant sur F1. Voilà, donc bah c'est bon, là j'en ai récupéré assez. Donc là je vais dans le village que vous pouvez trouver en cliquant sur M pour voir la map, mais là vu que je suis déjà dans le village, on ne me le montre pas. Voilà, donc moi j'ai pas regardé, donc je suis arrivée comme ça. Le pur hasard. Voilà, donc après vous cliquez sur M et vous zoomez. Oh, le village en fait il est de ce côté. Voilà, c'est ça. Le village il est là, mais il est en même temps de ce côté. Donc quand vous zoomez, ça va vous permettre de voir tous les magasins et tout. Voilà, donc allez hop. Voilà, déjà vous voyez des maisons. J'ai peur sur le coup. En cliquant sur R, ils recommencent à faire du bruit. Donc en cliquant sur R, vous pouvez leur parler. Voilà. Donc là, désolé pour le bruit de derrière si vous l'entendez. Parce que c'est mon ordi, il est comme ça et il est très chiant. Donc c'est quand même un aspirateur ce qu'on fait maintenant. Bon, bah, désolé pour ça, mais je continue la vidéo. Considérez de parler un tout petit peu plus fort. De parler plus fort tout court pour que vous puissiez m'entendre bien. Alors déjà je vais cliquer sur M. Ok, pas de district. Voilà. Là vous voyez le magasin à l'intérieur. Vous pouvez voir un magasin. Un autre magasin. Donc je vais aller de ce côté. Pour aller au magasin. Alors, moi aussi je sais qu'on va avoir des petits animaux de compagnie. Donc les mêmes là. Je vais vous montrer comment avoir un minimum de compagnie.
qui prendra les dégâts à votre place, qui, c'est selon ce qu'il y aura au magasin. Voilà. Alors, comme ça, si vous voulez tuer des mobs, ben, c'est pas. Alors, moi, j'essaie d'aller au magasin, mais je ne dois pas. Alors, où es-tu, petit magasin? Merde, je suis allé du mauvais côté. Je vais aller pour construire des trucs. Bon, je vous montre quelque chose pendant que je suis là. Si vous avez des minerais, vous cliquez sur R devant le fournage et vous pouvez faire des minerais. Moi, sur mon elfe, j'ai déjà beaucoup de minerais. Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer déjà comment avoir un bloc de bois. Enfin, le bois, c'est les bûches. C'est